après-midi sur la canne revanche, l'aura tout pesé à tout. On a un temps qui est variable avec averse encore, une température extérieure qui est à 10 degrés, une température de l'eau qui est à 12 degrés, une marée qui est en train de monter, le plein eau est à 13h45 avec des coefficients de 48 sur cette marée qui est en train de monter, le vent est onshore, toujours soutenu, nord-ouest, 4 beaufort, plan d'eau, clapot, moutonné. Et on a une houle longue de 11 secondes de période orientée ouest-nord-ouest en vrac multipliqué à la hausse, délivrant maintenant 1m20, 1m30 en déferlement régulier, 1m50, un bon 1m50 au ciré. Bon, ça reste médiocre, même si c'est un peu comme ce matin, multipliqué, il y a des pics partout qui arrivent à ouvrir, mais de manière très désordonnée, très aléatoire et de qualité médiocre. Il n'y a personne à l'eau, personne qui check l'évolution pour le reste de la journée. La boire, Cachan-Gascogne est à la hausse, elle est quasiment à 3,07 m maintenant, ça va grossir un peu plus, encore plus ce soir, avec un vent qui va se calmer un peu pour des conditions qui vont s'améliorer, mais très légèrement. Ce qui nous donne en prévision donc à 13h 1,50 m, houle ouest-nord-ouest, 11 secondes de période, vent de nord-ouest à 4 beaufort, et à 17h 1,50 m à 2 m, houle ouest-nord-ouest qui s'allonge avec 13 secondes de période et un vent de nord-ouest qui va se calmer un petit peu, 3 à 4 beaufort, des conditions qui vont s'améliorer légèrement cet après-midi, mais ça va être difficile à surfer à mon avis. Voilà pour le report de ce matin. On se retrouvera peut-être demain matin à 7h45 pour le prochain bulletin, c'est pas sûr. Attention, plongée.